Ça tourne ensemble. 6 ans sur 3, la 5e. Clap. Action. Moi je me vois pas tellement avec moi je sais pas ce que t'as besoin de Voilà, et je suis super contente du tournage. Je trouve que Gigi, il est hyper pro, il arrive à parler, à prendre soin de tout le monde, genre ceux qui a soif. On va se bagarrer, on va se taper, après je le vois, il fait des câlins. Et je trouve qu'il y a vraiment une bonne équipe. On travaille dans le calme et en même temps, on fait tout, on termine tout. Enfin, on rigole vite fait. Il y a une bonne ambiance, mais en même temps, on travaille. On s'éparpille pas. Et, les rasures diront Photoshop. Même moi, la gueule. Vous en avez peau de crocodile là. Les rasures diront Photoshop. Mais non, Claire, le mauvais soin. Le mauvais soin, tranquille. Ah, vas-y, tout court. Youpi. Ouais, c'est bon. Ils ont dit qu'ils avaient le mauvais soin. Regarde le super star, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Le mauvais soin. Tu vois, ça, premièrement, j'ai pas eu l'occasion de te dire, mais merci, mon père, de m'avoir invité. Même si je. Même si tu m'avais dit le projet il y a longtemps et je sais justement que tu t'es battu pour tenir le projet en fait. Là, je sais que t'as passé pas mal d'épreuves mon frère. Putain. Et donc force et courage pour la suite. Merci. Et non moi le tournage moi j'ai kiffé hein. Franchement moi j'ai kiffé que tu m'invites là-dessus parce que c'est un sujet qui, dans lequel justement tu sais qu'il faut parler, tu vois, faut le montrer. Parce que c'est la réalité, c'est vraiment ce que les gens vivent en vrai. Ouais. Et du coup voilà, m'a appelé pour une scène d'embrouille que vous allez voir. Et moi je suis un élément perturbateur. C'est ça le plus chaud parce qu'on est des vrais frères. Voilà, on est des vrais frères. Exactement. C'est même bizarre, même on s'embrouille au zéro. Oh, c'était dingue. Franchement, c'était dingue. Franchement, la vérité, c'était dingue. Voilà. Et c'est dingue. Et c'est authentique, c'était vraiment réel. Surtout sur la dernière scène qu'on a faite. Là. Ouais. Là, c'est lâché. Là, c'est l'instinct qui a parlé. Après, j'oublie là. J'ai cassé vous ça vite. Vous devez une vite là. Hein. Et moi je dis la prod. Ouais, la prod. Non, mais il n'y a pas de galère. Il faut que je ralasse. Vas-y, je vais ralasser. Non, en tout cas, non, franchement, c'était vraiment super beau. Bonne ambiance, putain d'équipe, il y a une symbiose, une synergie. Mathieu, on a rien fait. C'est les mecs du Lotus qui foutent la merde. Bien sûr, c'est les mecs du Lotus, c'est pas le bordel là dehors. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, tes collègues ils nous tombent dessus. Ces gros bâtards. Non, c'est les micro-ondes qui nous tombent dessus, tu comprends ça ou pas? Sur 5, 4e. Cap. C'est
déjà merci. Je tiens à merci à Jiggy. Et j'étais surpris aussi par sa direction d'acteur. Tout à l'heure, tu m'as bluffé, je te le dis franchement, ça vient du cœur. Comment t'as chauffé les figurants. D'habitude, les réalisateurs, ils en ont rien à foutre des figurants. Et lui, il était sur eux. C'est un mec humain et je sais qu'il suffit juste de présenter aux bonnes personnes et qu'il ira loin. Il est fait pour le cinéma, on sent qu'il a vu des films. Et de voir ça pour un deuxième. Enfin, moi, c'est ton deuxième film, c'est ça? Professionnel. C'est du journaliste, là, une projection. Ouais. Il était dégoûté parce qu'il me dit, regarde ce qu'on fait maintenant avec 5 millions d'euros, on fait des films qui valent rien. Des mecs sont tatoués avec des araignées qui font les fous sur des films et tout. Il n'y a rien, il n'y a aucune humanité. On sent que le tournage, c'était juste du blé. Ouais. Et bah ça fait plaisir que le cinéma, c'est ça. Les grands cinéastes, ils font ça, là. Ils cherchent la vérité, quoi. Et pour moi, il en fait partie et c'est juste une question de temps. Merci beaucoup. Voilà, donc moi merci et si t'as besoin encore, je suis prêt à te donner même un. Enlève ta main, tu fais quoi? Ferme ta gueule! Enlève ta main! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Je te laisse faire mon travail, t'as compris? Tu fermes ta gueule! T'as compris? Tête des rosières? Sortez du véhicule contre le tu sors du véhicule, tu te dépêches, t'as compris? Mettez-vous là contre le véhicule, toi aussi tu te mets là! Toi aussi tu te mets là, dépêche-toi! Dépêche-toi, j'ai pas toute la journée là! Eh mais vous en avez pas marre. Vous êtes un monde ou quoi? Attends, connais-toi, c'est ça? Moi bien, continue comme ça, je viens de m'occuper de toi. Maintenant, vous asseyez! Assieds-toi! Fais pas le malin là! Tu te prends pour qui toi? On verra ça plus tard. Le sujet il était comment dire, très intéressant, il était très fort. Et après peut-être que je vais me répéter, ce qui était intéressant c'est la manière comment l'histoire était narrée quoi. Tu vois, il y avait beaucoup de réalisme et tout. Et, le fait qu'il n'ait pas de parti pris où on montre vraiment comment ça se passe, ça donne envie de s'impliquer dans le projet et d'être acteur de cette histoire quoi. Après, ce qui était aussi intéressant, c'est toute l'énergie qui est autour, ouais, les figurants qui étaient là, les gens qui venaient demander comment ça se passait et tout. Tout le monde venait donner un conseil et tout. Et tu sens que voilà quoi, c'est pas comme si quelqu'un venait, qui n'était pas du milieu et venait raconter l'histoire. Quoi. Tu sens vraiment que ça pourrait être un biopic. Donc voilà quoi. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est l'énergie de tout le monde, la positivité que les gens nous ont donné, et je trouve ça fort quoi. Je pense que ça va se ressentir à l'écran et dans nos textes, dans les dialogues quoi. Mais vraiment que du love, que du bonheur, que de la force, c'est vraiment très fort quoi. C'est franchement, vraiment... Jackie, un mec, franchement, j'ai pas... En règle générale, quand dans un film, quand t'as un binôme ou un trio à montrer, il faut un petit moment quand même où... D'adaptation, tu sais, pour avoir les habitudes, ça. Nous, même pas une semaine, ça y est. Ouais. Tu vois, même pas une semaine en deux-deux, comme si je le connaissais depuis des années. C'est comme si c'était un deuxième Lockman, en fait, tu vois. Ouais. Et non, franchement, c'était cool. Moi, j'aime bien travailler avec des gens comme ça, vraiment. Le meilleur Teddy du monde. Voilà. C'est son père qui lui a offert. C'était un mot à dire face à la caméra. Écoute, j'ai un mot à dire face à la caméra. C'était un plaisir, c'était un très beau projet. Ouais, c'était dur un peu, hein. Franchement. C'était pas facile, ça a été musclé, ça a été sportif. Mais je suis très contente d'avoir participé à ce projet, je suis très contente d'avoir travaillé avec toi. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de bosser encore ensemble. Yes. Je suis sûre. Voilà, merci d'être venu, m'avoir accordé de votre temps. Merci d'avoir participé à cette aventure de fond. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon bah on va remballer ça. Je vais rentrer chez vous. Non mais putain.